Vous êtes jeune, vous recherchez du travail et Pôle emploi et les agences d'intérim ne vous ont pas apporté la bonne réponse. Eh bien, signe de notre époque, il existe maintenant une plateforme pour vous aider à trouver du travail. Il s'agit de Wizbee, une start-up de Grenoble, et elle lance un job dating cet après-midi, en fin de journée à Poitiers. Bonjour Pauline Lefebvre. Bonjour. Vous représentez la société Wizbee. Qu'est-ce que vous apportez de plus que ce qui existe déjà, Pôle emploi, l'intérim? Alors Wizbee, déjà dans un premier temps, c'est une plateforme, comme vous l'avez dit, qui permet aux jeunes de trouver des offres d'emploi qui peuvent leur correspondre. Aujourd'hui, on a à peu près 2 600 000 jeunes qui utilisent cette plateforme. Ça représente à peu près un jeune sur trois qui est passé par Wizbee pour se lancer dans la vie active. Donc, ce sont des offres en ligne, mais ce sont aussi des rencontres physiques, comme ce soir. On est à Poitiers dans le cadre d'un job dating en partenariat avec le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, où on va avoir une dizaine d'entreprises présentes, une vingtaine de postes à pourvoir et 60 à 80 candidats de Poitiers pour trouver un job dans la région. Alors pourquoi les jeunes viennent vers vous ? Parce que ça marche mieux qu'avec ce qui existait déjà auparavant ? Oui, c'est ça. Parce que ça leur correspond mieux pour les 18-30 ans ? Exactement. Alors c'est bien adapté à leur façon de rechercher du travail. Le fait qu'on puisse avoir des rencontres digitales sur wizbee.com, mais aussi des rencontres physiques, on mêle vraiment ces deux approches pour leur permettre de multiplier leurs chances de trouver un emploi, tout simplement. Alors pour les jeunes, c'est gratuit, mais pas pour les employeurs qui recherchent du travail. Alors, enfin, des travailleurs, plutôt. C'est ça. Alors pour les jeunes, effectivement, c'est gratuit. Donc c'est top pour eux parce que quand on a besoin de trouver du travail, c'est quand même mieux quand c'est comme ça. Et pour les entreprises, donc forcément, certaines entreprises peuvent passer par nous si elles le souhaitent pour recruter, auquel cas on peut leur présenter toutes les solutions qu'on met à leur disposition. Ça veut dire que c'est plus ciblé, c'est plus efficace ? Exactement. Par exemple, pour le job dating de ce soir, les jeunes qui souhaiteraient venir doivent s'inscrire au préalable. Donc, ils peuvent se rendre sur wizbee.com et sinon, ils peuvent contacter l'adresse mail suivante, rebecca@wizbee.com. Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez, vous, prospecté. Qu'est-ce qu'il y aura, par exemple, comme emploi concrètement ce soir proposé à Poitiers? Il y a une quinzaine d'emplois qui doivent être... Entre 15 et 20 emplois, exactement. Alors, il y a plusieurs secteurs qui vont être représentés, notamment tout ce qui est hôtellerie-restauration, le commerce. Par exemple, on va avoir SCAP Peugeot. On va avoir également O2 Care Service, donc pour tout ce qui est service à la personne, les profils bancaires du Crédit Agricole, la vente au sens large. Et on va avoir aussi la restauration rapide avec McDonald's. Oui, ça veut dire que ce sont des filières qui ont d'autres façons de recruter. Exactement. Mais elles viennent vers vous parce que le public est là et les jeunes aiment ce genre de rapport aux applications simples sur leur smartphone. Exactement. En fait, c'est gagnant-gagnant parce que sur un événement comme celui-ci, les entreprises nous font part de leurs besoins en recrutement et nous, on va faire déplacer des jeunes qui peuvent correspondre à ces emplois. Les jeunes ne vont pas se déplacer pour rien et les entreprises non plus.